Chers tous, bonjour Cash, en ce mercredi 20 septembre 2023. Il y a une entreprise située à Ovendo. Cette entreprise a fait l'objet d'une inspection par une entité de l'État gabonais. Cette entité de l'État gabonais est chargée de la sécurité des consommateurs gabonais. Au cours de cette inspection qui a eu lieu mardi, dans la journée de mardi, je crois savoir, il a été découvert des produits avariés et des doubles étiquetages sur certains produits de consommation. Seulement, un rapport a été fait, mais ce rapport n'a pas été co-signé par l'entreprise inspectée. Ce jour, donc ce mercredi 20 septembre 2023, en cette matinée, cette entité de l'administration gabonaise est en route vers Ovendo pour aller détruire les produits avariés, avec bien entendu son service communication qui publiera un communiqué. Vous avez vite compris que on est en train de bâcler ou de vouloir effacer des traces d'un système bien huilé où l'entité en question a certainement, je dis certainement, l'habitude de donner du bakchiche à ceux qui viennent inspecter cette marchandise avariée et qui se retrouve malheureusement dans nos assiettes. Je pose ce problème en commentaire. Vous allez comprendre par la suite de quoi est-il question, et nous allons attendre le communiqué de cette entité et nous allons produire les preuves que nous avons en notre possession et comprendre finalement ce qui se cache derrière entre ces inspecteurs et cette entreprise située à Ovendo. La santé des Gabonais et des consommateurs gabonais est en danger et ce n'est pas du tout cash.